Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler recrutement, KvK et matchmaking, toujours aussi éclaté avec des ouvertures de forteresse croisées sur l'un des plus gros KvK. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les leaks, bref, même les tutos, tout est sur le Discord et même en ce moment les pronos pour la grande finale, enfin la grande finale, le championnat du monde, hein. en croire Lilith, hein. le championnat du monde des alliances qui opposent les alliances worldwide, donc du rock monde, puisqu'il y a une version monde de l'application, à ceux de version chinoise uniquement. On a des paris, des pronos et des ajustements le samedi, voire le dimanche, hein, quand les matchs sont décalés. Hein. Pour se blinder. Les amis, n'oubliez pas, on a aussi le mg en ce moment, hein, le plus grand gouverneur. On va pouvoir voir ce que donne le futur nouveau commandant. Choe hein, Yeong. Je ne sais même pas le prononcer. Si hein, Y, on va l'appeler. Comme ça, ce sera réglé. N'oubliez pas, on va très rapidement l'avoir. On va pouvoir tester. Dans la roue de la chance, hein, on aura l'autre commandant. Et on aura les rapports dès que je les ai, évidemment. Je vous les partagerai et je vous donnerai mon avis sur ce commandant. Est-ce qu'il faut le monter ou pas J'ai moins de sculptures qu'avant maintenant. Vous savez, ma cible actuelle, c'est notre ami ZL qui est quelque part par là. Zug Liang, il me faut encore quelques sculptures pour le monter. Je suis à 333. Il doit manquer 80, 80, 75, 75, 310. Il va me manquer, allez, 450 sculptures au total, je suis à 333, ça devrait aller vite, plus 24, donc du coup, je dois être, allez, on va lui mettre les 6 qui manquent. Comme ça, ça sera fait, vas-y, prends tes 6, et comme ça, hop là, voilà, on est sur un chiffre rond. Voilà, tu arrêtes de me prendre la tête, hein, il me reste à monter encore, 327, je ne peux pas encore l'expertiser, mais ça se trouve, les nouveaux commandants hein. vont l'éclater, c'est ce qu'on va voir. Ça m'étonnerait quand même là, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise ou d'une mauvaise. Avec l'élite, on ne sait jamais. Justement, en parlant de mauvaise surprise, on va commencer à parler des KVK et surtout de ce système qui reste à la marge, très peu utilisé, place du recrutement. Si vous n'avez pas fait attention, lorsque vous êtes sur la page du KVK, en bas, vous avez un petit icône, hein, place du recrutement. On a déjà vu un. Hein, cette fonctionnalité qui doit être sortie, je dirais, depuis 3 mois à présent. Et regardez, on a le... Alors ils nous ont remis, hein, je peux mettre des favoris, évidemment. Je n'ai personne en favori. On a des pages par défaut. On peut mettre soit les plus récents, soit en standard tout le monde. Il n'y a, a pas de tri spécifique. C'est ça qui est étonnant. Vous voyez, quand je suis, je suis par défaut, j'ai pas de tri spécifique. Ce n'est pas à la date. On ne sait pas. Pourquoi il y a le 21-88, suivi du 10-93 Suivi du 12-20. Très étonnant, hein, mais c'est comme ça. Je peux publier pour mon royaume hein. si euh, je suis roi du royaume uniquement. Il faut être en saison de conquête. Hein, savoir en KVK niveau 4 et en intersaison pour pouvoir recruter. Et regardez, on peut choisir. Évidemment, ceux qui sont en puissance pas limitée, c'est des royaumes poubelles. Il ne faut pas y aller. Ceux qui sont à 100 000, il bah, n'y en a pas. 75 000, il y en a deux. 50 000, il y en a deux aussi. 30 000, il n'y en a qu'un. 20 000, il y en a pas. 10, 10 millions, ouais, pas 10 000, c'est millions ouais, et puissance pas limitée, donc illimitée. Alors la traduction, franchement, puissance pas limitée. Mais Kevin, puissance pas limitée, c'est puissance illimitée. Franchement, là, il y a de l'abus et on met tout et évidemment on récupère tout le monde. Et quand on regarde les royaumes qui publient, je me suis tapé la liste en entier. Il n'y a aucun royaume vraiment intéressant. On a tout de même hein, des Cid A, vous le voyez, hein, active Low et hey, Cid. Hein, on en a très peu hein, des Cid A. Il n'y a pas non plus énormément de royaumes. La liste peut paraître impressionnante, mais finalement, elle n'est pas si grande que ça. Vous voyez, eux, ils ont assuré. En revanche, les 45 commence à afficher. On les voit très clairement, hein, bien plus que les autres, comme eux, Cid D, ceux qui utilisent des majuscules comme ça. On les voit mieux. Il faudrait, tout comme sur YouTube ou sur Google, réussir à comprendre l'algo, comment l'algo vous classe. Et comme ça, ça vous permettrait d'être tout de suite dans les 4 premiers, les 5 premiers, ceux qui ont le plus de chances de recruter. C'est évidemment ceux qui sont là, sur la première page. Les 12 premiers, là, les 12, voire les 16 premiers. Si vous n'êtes pas là-dedans, très peu de chances d'être recruté. Bref, si vous avez déjà utilisé ce système, Dites-moi ce que vous en pensez, on peut se mettre des symboles, quoi, et tout ça. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais comme d'habitude, et vous voyez, qu'est-ce que c'est que ça, là, c'est ce bug. C'est une bonne idée, mais mal exécutée hein, par Lilith, hein, on peut signaler. Je ne comprends pas pourquoi il n'améliore pas ça plutôt que de mettre des petits icônes qui pop qui servent à rien du tout hein, comme celui du sac lorsqu'on fait une acquisition. On continue sur les royaumes et on passe à présent les amis sur les KvK et sur l'énorme KvK en cours qui vient pop. Mais avant cela, regardez, je suis étonné. On a eu le patch. Le pop du KvK a eu lieu pour mon royaume. On est sur la phase de scrutin, donc d'inscription. Et regardez. On n'a pas le nouveau KvK, le nouveau système de KvK n'est pas là. On a toujours le siège d'Orléans, mais son équivalent anglais, britannique, n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi, il n'a pas pop. Peut-être que c'est que sur certains royaumes très spécifiques. On passe donc à cette ouverture de forteresse croisée, et je vous ai fait un court juste au moment où ça venait d'ouvrir. Ça vient ouvrir, ça a ouvert il y a quelques heures, je crois que ça a ouvert. Il y a 4 heures, quelque chose comme ça, sur le 1093-1, vous le voyez, 4 jours, 8 heures, 39 minutes, 34 secondes au moment de cette vidéo. Et regardez, si on va dessus, les forteresses croisées, la forteresse croisée ouvre autour des 4 jours. Et après, ça bouge et on va tout de suite sur le 1093 déjà. Ce qui est ultra impressionnant, je vous avais dit, hein, ce qu'avec qui on allait en parler, regardez.

32 forteresses sur sa zone de départ. Franchement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une zone de départ depuis que ça a été patché. Hein, le jeu en KvK, limité à 499 gouverneurs. Je n'ai jamais vu autant de forteresses. Si vous avez déjà vu plus, n'hésitez hein, pas à me le dire. Mais franchement, 32, c'est tout bonnement énorme. Regardez donc, hein, on a l'ouverture. Ça met du temps à charger. Hein. Pourtant, je ne suis pas en wifi, je suis en filaire. 19h43 minutes 41 secondes de la construction de la phase 1 évidemment la forteresse a été prise en 2 secondes cette coalition ne peut être que de 3 alliances pour le moment 13 milliards 3 11 milliards 6 et 4 milliards 5 les T les X les P c'est une belle alliance ça nous fait hein, combien tout ça là pour ce premier move à 3 recalculons ça fait 27 milliards, 28 milliards, allez disons 28 milliards, et pas disons, ça fait 28 milliards, mais forcément, ils ont d'autres alliances sur le côté, je vais essayer de vous en trouver une, qui est pas mal, qui est pas mal, qui est pas mal, les 93A, c'est devenu une farm, hein, mais avant, elle, elle était balèze, elle est qu'à 2 milliards, ouais, ils ont peut-être regroupé hein, leurs deux plus grosses qu'ils ont envoyées là, face à eux, face à eux, ils vont avoir alors l'ouverture de la porte, hein, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans... 10 jours, face à eux, leurs adversaires ici, eh bien, eux, quelle coalition ils affichent hein Ils peuvent afficher hein, les FAC, une grosse coalition. Regardons ça tout de suite 12 milliards, 9 milliards, 7 milliards. C'est plus, c'est presque 29 milliards quasiment. Un tout petit peu plus que le 10,93. Hein. Si on va en face, hein, les challengers numéro 1, c'est eux censés être hein, les deuxièmes plus puissants. Oh, c'est étonnant, regardez. Ah, c'est intéressant ce qu'ils ont fait. La coalition aussi celle-là s'appelle fat et c'est une coalition à 13 milliards 9 milliards un tout petit peu moins celle là mais c'est super intéressant regardez on a ici fat et on a ici c'est bien c'est bien choisi ça permet pour moi qui fais des vidéos de voir tout de suite les camps parce qu'à mon avis fat et fac hein, sont clairement ensemble et on a la dernière ici tac qui est qui est, qui est ici est-ce que il s'appelle fac fiac peut-être IDK, non, donc eux, ils ne sont euh, pas avec les autres sur le papier en tout cas. 11 milliards, 11 milliards, 2 milliards, 24 milliards. Au final, on a donc 3, 4 coalitions qui sont entre 24 et 28 milliards sur le papier, encore une fois. Comme pour le 1960, hein, ça paraît équilibré le KvK du 1960, hein, mais au final, ça ne l'est pas parce que si vous comparez le nombre de forteresses, regardez, ici, on a un nombre standard de forteresses. On en a à peu près 10 à vue d'œil. Ici, 3, 6, 19, 12, 12, 14. On en a 14. C'est un petit nombre aussi, un nombre traditionnel. Ici, on n'en a pas trop. On en a moins de 10. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a 7, 8. Il y en a 8. Comme je vous ai dit, là, 32. Qu'est-ce que vous voulez faire face à des mecs qui sont venus avec autant d'alliances différentes, autant de subs Franchement, ça va faire très, très mal, ce KvK, pour leurs adversaires. 93x à 11 milliards 6. Je savais bien qu'ils n'étaient pas tous là, et ils ont qui les x avec leur alliance de coalition. Ils ont les t, les x. Ah, si, c'est bien eux qui sont avec, hein, j'allais dire. Une grosse connerie. Donc, c'est, non, les p aussi, ils ont bien, ils ont bien diminué. Donc, ce n'est pas eux. Énorme 10-93. Hésitez pas, hein, si vous êtes sur ce KvK, à me dire ce que vous en pensez. Mais le 1093 est tout bonnement le plus gros royaume pour moi. C'est une dinguerie, on va les suivre avec attention. Dans les KvK, on a évidemment le pop également du vent de changement avec un KvK sur lequel je voulais revenir. Le KvK, c'est un royaume que je vous parle lorsque je vous montre les classements. Le 1001 qui a pop hein, sur un KvK où il est le seul royaume impérium. Il se retrouve même en coalition alors qu'il est dans le top 5 des royaumes les plus puissants. Sur son territoire de départ, il a le 27,95. On pourrait se dire que ce matchmaking-là, tout comme tous les matchmaking en cours, est totalement déséquilibré. On se retrouve avec un royaume en puissance dans le top 5 qui est face à des triplettes de royaumes qui ne peuvent rien regarder. Le 11,69, on ne connaît pas l'alliance qui dirige. Les DW92, hein. on les connaît, très grosses alliances euh, en, euh, en Ligue Osiris. Hein. Les DCLD, on ne connaît pas non plus. Les A95D, on ne sait pas qui c'est. XC, pareil, G6, pareil, 80 FP, pareil, UN99, la même et 71. HP inconnu, de l'autre côté, le 1001, c'est le 1QNE, on ne connaît pas plus, mais 2372 jours d'ancienneté. C'est le royaume le plus ancien de Rock quand il est face à un royaume qui a 673 jours. Donc, on a un royaume qui est trois fois et demi plus vieux que l'autre. Hein. C'est assez hallucinant. Regardez. Inscrit 16 périodes 50 jours. On a le petit résumé. Regardons un peu ce que ça donne parce que eux, à 4 jours également, ils ont les forteresses croisées et vous allez voir en termes de puissance. Certes, c'est comparable, mais ça va avoir une grosse incidence sur l'ouverture par la suite. Regardez tout de suite, on est sur cette coalition. 8 millions, 11 millions, 8 millions. Donc même là, on est déjà plus gros que le 1093. On est quasiment, quasiment à 28 millions et demi. Deuxième groupe sur le côté ici, leurs adversaires directs, les WAR. Tiens, ça reprend des anciens noms. 7, 7, 11. Ça fait 26 millions, ils sont à plus que euh, les 1001. Mais encore une fois, c'est sur le papier. À mon avis, les plus puissants, c'est eux, les challengers numéro 1. Ils ne devraient pas rigoler. Coalition 11, 8, 8. Ils sont... Et euh, puis c'est 8, 9, c'est 9 quasiment. Ils sont quasiment à 29 milliards de puissance. Et les derniers, les derniers en puissance, hein, les petits challengers, hein, vraiment les outsiders plutôt... Tac, on regarde WTR qui doit être avec les, les War pour le coup. Ils hein, sont à 8, 18. et eh bien, non, ce n'est pas les petits poussés. Ils sont à 27 milliards. Pourquoi le, 10, le 1001, j'allais dire 10-01, va se faire brûler selon moi puisque on le sait, le 10-01, c'est une alliance avec des joueurs très puissants, des très grosses baleines, hein, les 1 q e Mais après, en termes de kill point, ils sont totalement éclaté, ils ont encore une fois des très gros joueurs, mais un petit peu à l'ouest, alors peut-être, peut-être que Skaveka va signer le réveil du 1001, il dit oubliez euh, le passé, hein. formons le futur, peut-être qu'ils vont se refaire, que ça va tous, tout changer, on voit leurs règles, hein. Pas de hater, pas de racisme, ça c'est évident, tu te fais ban de toute façon, heureusement. On n'attaque pas les villes, les farms ou les fly. Oui, ils sont encore obligés de mettre ce genre de règles. Suivez les règles du MGE. S'ils si signent pour un KvK, les villes inactives pendant 25 jours ou plus, vous voyez ça. Donc les joueurs inactifs pendant 25 jours ou plus sont zéro. 25 jours, mais les mecs, ils devraient mettre 3 jours quoi. Seulement établi euh, des règles, patati patata. Hein. Si on, on brise une de ces règles, on sera banni de toutes les alliances. Hein. Euh, et on pourra perdre, on va se faire zéro selon les situations. Bref, franchement, même les règles, elles montrent que c'est un royaume totalement éclaté. Ça va être très dur, le KvK, pour eux, à mon avis. On va le suivre, et je vais vous le montrer comme le KvK du 10-93. Mais ben, à mon avis, je ne suis pas parier. Vont... On peut parier des grands au hein, dessus des orics nobles, comme c'est le moment. À mon avis, ils vont bien se faire rouler dessus. N'hésitez pas, les amis, si vous êtes sur ce KvK ou même sur celui du 1093. Je sais que certains joueurs du 1093 sont sur le Discord. N'hésitez pas à partager des infos, même confidentielles. Vous le savez, je ne révèle jamais mes sources et ça fait toujours plaisir. Les amis, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock